ce type de robe que l'on appelle la robe kabyle m'évoque le vêtement traditionnel porté par mes tantes et par mes grands-mères en Kabylie. C'est typiquement le vêtement des femmes qui restaient à la maison et s'occupaient de leur foyer. À un moment, il a connu une période où il a été boudé par les jeunes générations de femmes qui voyaient dans le port de ce vêtement un marqueur de ruralité, de non-émancipation. C'était le vêtement porté par des femmes ou des filles qui n'ont pas été à l'école. Mais depuis la politisation de la question berbère en Algérie, cette robe fait l'objet de multiples usages culturels et identitaires. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on la retrouve partout, sur les marchés, dans les mariages. C'est à la fois un objet du quotidien, un objet de cérémonie et un objet d'art. Moi, pour ma part, c'est en tant qu'objet d'histoire que je l'ai d'abord découvert, puisque dans le cadre de ma thèse, j'ai découvert que ce vêtement est une création des Sœurs Blanches, une congrégation missionnaire catholique qui a été particulièrement active auprès des femmes en Kabylie. Et donc, en arrivant en Kabylie à la fin du XIXe siècle, les Sœurs Blanches en fait, découvrent des femmes bien différentes de la représentation de la mauresque entièrement voilée qu'elles s'attendaient à trouver. Les femmes kabyles, au contraire, portent seulement un foulard et des vêtements drapés amples qui laissent entrevoir leurs bras, voire leurs aisselles ou une partie de la poitrine. Les sœurs ont alors contribué à importer et diffuser des modèles de robes cousues pour dissimuler davantage le corps des femmes. Oui, l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est toute la richesse de cette robe qui est loin d'être figée dans le passé. Aujourd'hui, c'est un des symboles les plus importants de l'identité kabyle, un élément essentiel du patrimoine culturel berbère en Algérie. Et cette robe, c'est aussi et surtout une histoire de femme. Celle qui est présentée aujourd'hui nous a été confiée par notre collègue Malika Assam, car elle appartenait à sa mère, Dahbiya. Son autre fille, Wiza, donc la sœur de Malika, l'avait faite coudre pour elle en Kabylie, il y a déjà quelques années. Quant aux accessoires, les différents accessoires qui composent la robe, ils appartiennent à Wiza, car une robe kabyle ne se porte jamais seule. En effet, les accessoires sont vraiment indispensables et varient d'ailleurs en fonction des circonstances. Ici, nous avons voulu présenter la tenue portée au quotidien, avec d'abord la robe taksuit en tissu soyeux, qui est donc un héritage de la période coloniale, reconnaissable à son empiècement carré, richement décoré par des galons multicolores en zigzag. Ensuite, la ceinture en laine, exous, qui est là un élément indispensable, qui lui est hérité du costume ancien et qui a des fonctions pratiques pour les femmes, puisqu'elles leur permettent de porter des charges lourdes ou de maintenir leur ventre après l'accouchement, par exemple. Et enfin, les femmes ne sortent pas de chez elles sans la fouta, ici nouée sur le devant, et le foulard noir et doré en soie à Mendil. On voit donc, avec ces différents éléments, que la robe kabyle est un produit complètement hybride qui s'adapte aux besoins et aux usages du corps féminin. Oui, et puis on y voit des éléments également plus récents, le tissu synthétique, la multiplication des décors en bas des manches, en bas de la robe et en bas de la fouta. Et encore, ce modèle demeure plutôt classique dans sa coupe, parce qu'aujourd'hui, ces coupes ont été totalement modernisées, raccourcies, évasées aux épaules. On peut dire que cette robe, elle est semi-artisanale et elle est intéressante parce que le tissu vient de France et la robe a été cousue en Kabylie par une couturière. Oui, rien d'étonnant à cela puisque hier comme aujourd'hui, cette robe est vraiment au cœur d'une économie féminine de production artisanale et artistique importante. Dès la période coloniale, ce sont les Sœurs Blanches qui introduisent la machine à coudre et donnent des cours de couture dans leurs ouvroirs. Et ces machines pénètrent dans les foyers kabyles et les femmes peuvent alors produire elles-mêmes des robes qu'elles peuvent ensuite revendre, ce qui leur procure un petit pécule personnel. D'autant plus que ce savoir-faire et cette économie se recomposent jusqu'à aujourd'hui, puisque depuis les années 2000, on voit fleurir un entrepreneuriat féminin extrêmement créatif autour de la robe kabyle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette robe est un patrimoine vivant, une tradition sans cesse recomposée et réinventée.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette robe apparaît vraiment comme un pur produit traditionnel de la culture kabyle. Et c'est tout le paradoxe, puisqu'elle est en fait née dans le contexte colonial qui voit coexister, dans des rapports inégaux bien sûr, missionnaires européennes et femmes kabyles. Donc cette nouvelle robe, elle remplace progressivement l'habit traditionnel à partir des années 1930, aussi sous l'influence des bouleversements économiques et techniques liés à la colonisation, et notamment à l'importation depuis la France de cotonnades industrielles bon marché qui viennent remplacer la laine tissée localement. Oui, du coup, son origine coloniale s'en est retrouvée du fait totalement engommée, du fait de sa réappropriation complète par les femmes kabyles après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et à partir des années 80, la robe devient mais vraiment un symbole identitaire du mouvement ethno-nationaliste berbère qui revendique la reconnaissance d'une singularité culturelle et linguistique au sein de la nation algérienne indépendante. Oui, et ça passe par toute une variété d'événements culturels. La robe kabyle a notamment son festival annuel depuis 2010, qui est surtout l'occasion de voir sa grande diversité d'une tribu ou d'un village à l'autre en fonction du décor, de la forme de l'empiècement ou des accessoires. Elle devient vraiment la marque d'une identité locale bien spécifique. Ici, en l'occurrence, il s'agit de la robe typique de la tribu des Aïds Menzer. Oui, on disait tout à l'heure que la robe kabyle est une histoire de femme. C'est une histoire de femme, une histoire de sœur, une histoire de mère. Et celle-ci donc appartenait à Dahbiya, qui était originaire donc de la tribu d'Aïds Menzer, du village de Bouhinoun, donc un village de grande Kabylie, tout proche de Tizi Ouzou. Dahbiya avait quitté son village en 1970 avec ses enfants pour rejoindre son mari, un travailleur immigré à Saint-Georges-de-Renas, dans le Rhône. Et dans ce passage d'une rive à l'autre de la Méditerranée, la robe kabyle l'a accompagnée. Et dans l'émigration, elle devient plus largement le symbole de l'identité algérienne qui a coexisté avec d'autres cultures vestimentaires.